Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des indicateurs statistiques et les ajouter dans un tableau de bord. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Search Reporting. On va choisir le Time tout le temps et le mode de recherche intelligent. Donc pour le premier indicateur, on veut calculer le nombre total des quantités de chaque article. Pour cela, on clique sur l'index par défaut qui est mail. On choisit le host. On veut travailler avec DB Command, comme ceci. On clique sur pipe. Pour la commande state, on clique count sur count by quantité. Puis on clique sur Recherche. On veut visualiser le résultat dans un bar chart. Pour cela, on clique sur Visualisation. Et on clique sur le type de visualisation. On clique ici pour choisir le bar chart. Donc, comme vous pouvez le voir, les résultats s'affichent, les quantités ou les totales de chaque quantité s'affichent dans un bar chart. Donc, nous allons par la suite enregistrer ce résultat dans un dashboard qu'on va créer. Donc, pour ça, on clique sur Enregistrer sous. Panneau du tableau de bord. Pour le tableau de bord, on va créer un nouveau tableau de bord qu'on va nommer Analytique. Pour les permissions du tableau de bord, donc, on veut le partager dans l'application. On choisit Partager dans l'application. Puis, on clique sur Enregistrer. Et on peut visualiser le résultat dans le dashboard. On clique sur Vue du tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté un nouveau indicateur dans le dashboard Analytic Command. Par la suite, nous allons ajouter un nouveau indicateur. Pour cela, on clique sur Search Reporting. On clique sur le Time tout le temps. Le deuxième indicateur qu'on va ajouter, c'est la moyenne des montants de chaque article. Et on veut afficher ça dans un area chart. Ça, la commande que j'ai déjà préparée, que je vais coller. Donc, c'est la moyenne, c'est la VG des montants que j'ai nommé moyenne, que j'ai regroupé by article et j'ai fait le sort de par moyenne. On clique sur recherche, puis on clique sur visualisation, on clique sur le type d'affichage, qu'on va choisir l'aria-chat, on clique comme ça. Nous avons aussi la possibilité de cliquer sur format, par exemple, si on veut. Par exemple, on a différentes configurations. Par exemple, ici, dans général, on peut cliquer sur le pour afficher, par exemple, les résultats ou les valeurs des moyennes de chaque article. Pour les axes abscisses, par exemple, on peut, par exemple, personnaliser un titre de l'abs, etc. Donc, nous allons ajouter ce graphique dans le dashboard qu'on a créé. Donc pour ça, on clique sur Enregistrer sous panneau du tableau de bord. Cette fois-ci, dans le tableau de bord, on va choisir le tableau de bord qu'on a déjà créé. Donc on clique sur Existant, Analytic Command, puis on clique sur Enregistrer. Et on peut visualiser le deuxième graphique qu'on a ajouté. Donc comme vous pouvez le voir, un deuxième indicateur qu'on a ajouté qui permet de calculer la moyenne des montants par article qui a ajouté ou qui a enrichi notre dashboard qu'on a créé. Nous allons ajouter un dernier indicateur qui est l'indicateur qui permet de calculer le nombre total des événements qu'on compte. On clique sur Search Reporting. On clique sur le Time tout le temps. On copie cette requête qui permet de calculer le nombre total des événements commande. Donc, c'est le host database commande et elle permet de faire le count des rows qu'on a nommé nombre de commandes. On clique sur rechercher, puis on clique sur visualisation, on choisit le type d'affichage et on choisit un single value. Puis, on fait la même chose, on clique sur enregistrer sous panneau du tableau de bord. On choisit le tableau de bord qu'on a créé, donc existant,
Analytics Command, et on clique sur Enregistrer. Et enfin, on peut visualiser le résultat qui s'ajoute dans le et on enrichit notre dashboard. Donc, nous avons aussi la possibilité de cliquer sur Modifier le dashboard, qui nous permet de diviser et d'échanger l'emplacement des divs de nos dashboards, de chaque composant de dashboard. On veut par exemple afficher ce résultat en premier. On veut par exemple diviser ces affichages comme ceci. On peut aussi cliquer sur le format. Par exemple, pour la couleur, on veut attribuer pour ce résultat la couleur rouge, par exemple. On le laisse comme ça. On peut rajouter des titres, par exemple. On clique ici sur nombre courant, par exemple. On peut rajouter un titre dans le bar chat qu'on va nommer, par exemple, le nombre total par article. On peut rajouter un dernier titre pour ça, qui est la moyenne des montants par article. Puis on clique sur Enregistrer. Nous avons créé un dashboard avec différents indicateurs. Donc, nous pouvons aussi choisir le tableau de bord comme étant un tableau de bord d'accueil. Pour ça, par exemple, on clique sur l'icône Splunk Entreprise. Donc, dans l'accueil, on clique sur choisir un tableau de bord d'accueil. Et dans la liste roulante, on choisit le dashboard qu'on a créé, Analytics Command, puis on clique sur Enregistrer. Les résultats s'affichent dans l'accueil du dashboard qu'on a créé. Donc, vous savez comment créer un simple dashboard avec Splunk.